Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc pour vous montrer un petit peu l'avancée du parc. Donc, aujourd'hui, on vient tout juste de retendre le parc et de passer un coup de fil en dessous, histoire que le fil fasse pas contact avec l'herbe. Donc, on a aussi remis un petit portail, un petit portillon là, un vieux portillon qu'on avait, qui servait de portillon avant pour rentrer dans le terrain de la maison. Donc on l'a fixé au mur, on a remis un poteau là. On a mis deux aglos en dessous pour pas que. On essaie de laisser pas trop de jus pour pas que les lapins puissent passer en dessous. On a mis de la terre, on a lancé deux ou trois arrosoirs dessus pour que ça puisse se tasser. On en remettra de la terre si besoin. Là, on a aussi remis des clous pour pouvoir tendre le grillage. Donc voilà. Donc j'ai aussi fait provisoirement une petite cabane pour les lapins, donc qu'ils puissent s'abriter. Bon, malgré qu'ils s'abritent souvent sous les palettes de tuiles là. Provisoirement, je leur donne aussi des fois des bouchons là. Donc c'est provisoire, hein. J'ai mis deux aglos du côté gauche, deux aglos du côté droit, une palette et des tuiles par-dessus que j'ai mis à l'envers d'ailleurs, parce que si je mets de l'autre sens, c'est-à-dire celle du haut au-dessus. Le problème c'est que la palette est trop petite quoi, donc faut recouper les tuiles, donc voilà. Donc là on a les trois poules, on a trois lapins là, ouais on a les cinq là, on en a deux ici, et les deux grosses poules elles doivent être à l'intérieur là. Ouais, j'ai récupéré les œufs d'ailleurs tout à l'heure, donc voilà. Donc ça j'ai fait provisoirement, donc après où je ferai une petite cabane, de la taille là, mais en bois de palette fermée et propre, qui est pas de vent ou qui est pas trop de vent qui passe quoi, qui puisse s'abriter correctement, de la même hauteur, de la même taille je pense. Ou alors je vais peut-être faire j'ai une ancienne cabane qui traîne là-bas, donc je vais aller vous montrer ça. Donc voilà la cabane dont je vous parlais. Donc une petite cabane en contreplaqué avec une tôle par-dessus. Donc je sais pas encore si je refais une cabane en bois de palette comme je vous ai dit propre. Ou si je rafistole celle-là. Je verrai bien. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en vacances dans une semaine. Hein. Là on est lundi et je suis en vacances fin de semaine. Donc le samedi. Quand la vidéo sera postée, ça fera déjà une semaine qu'on sera en vacances. Hein. Enfin, que je serai en vacances comme les vidéos sortent tous les samedis à 11h. Donc je verrai bien, hein, où je refais une planche en bois de palette ou bien j'essaye de refaire celle-là. Je pense, comme il y a déjà la tôle, tout ça, puis c'est une palette qui est en dessous, donc elle serait facilement transportable avec deux fourches. Donc peut-être